Et Yamina, c'est Dridri, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera sur des combats. Alors je ferai des combats qui sont par, je crois, placement ou classé et tout. Mais pour l'instant, là, on s'est lancé un petit combat libre. Donc désolé si la qualité n'est pas extrêmement bonne. C'est parce que, voilà, là, le replay que vous avez regardé, c'est sur la console. Ce matin, je me suis levé, je crois qu'il était 6h du matin, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, allez, on tente un petit combat. Un petit combat Pokémon. Et donc je me suis retrouvé donc contre Easy, un dresseur qui a utilisé des Pokémon légendaires. Ouais, il a utilisé, allez, 90% de légendaires, 3 légendaires sur les 4. Et vous allez voir que je vais bien l'emmerder. Donc on va commencer donc par Noctali et Tokoliko. Tokoliko avec son Créalec qui permet de mettre un champ magnétique. Et en plus, en objet, j'ai mis les lunettes choix qui augmentent l'attaque spéciale. Mais je ne peux utiliser qu'une seule attaque par combat, mis à part si je switch. Donc là, vous allez voir que, voilà, on va avoir un Ultra Necrozma en face de nous. Voilà, un Ultra Necrozma. Ça va faire très très mal, mais nous, vous inquiétez pas, on va lui faire comprendre que les légendaires ne servent à rien. Voilà, on fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'on sent que Tokorivoko va prendre cher. Donc j'ai préféré envoyer Karchakrok, qui est en stats plus tanky que mon Tokoriko, que lui aurait été one shot. Donc j'ai pris le risque, donc voilà, je me fais attaquer et il me reste 48 PV. Ok. Là il tente un aura sphère, il se dit ouais il va m'infliger max de dégâts, mais non, mon Noctali est bien résistant. On essaie toxique, je loupe, mais en plus donc Noctali a l'objet reste. Parce que Noctali a un set assez particulier qui permet de mettre toxique, abri, vœux, etc. etc. Donc en gros pour faire rager l'adversaire. Donc là on va lancer abri. Et on va lancer Karchakrok avec colère Karchakrok. Et Karchakrok qui tient le bandeau choix, donc ça augmente beaucoup l'attaque, mais je peux utiliser qu'une seule attaque par combat, mis à part si je switch aussi. Et on one shot le Necrozma, tout simplement. Là il a voulu viser Noctali, ce qui était logique, c'est pour ça que j'ai lancé l'abri. Donc wali walou. Ensuite je suis pas énormément bon pour commenter des matchs, mais au fur et à mesure je vais apprendre ça. Donc là il envoie son Cisaiox. Donc moi je continue à utiliser colère qui va toucher Cisaiox logiquement. Voilà, c'est ça. Donc il va quand même prendre très très cher, hein, même si c'est pas très efficace. Mais bon, il a fait son taf, parce que derrière Karchakrok va se faire défoncer par l'aura sphère de Mewtwo. Voilà. A mon avis, il s'est dit, oh vas-y, je vais pas rattaquer Noctali, parce que ça sert complètement à rien. Avec Noctali, j'utilise tricherie pour défoncer le Mewtwo de l'adversaire. Donc deux Mewtwo, deux légendaires défoncés sur 3. Vous voyez que ma team défonce facilement son les légendaires, hein. Oui, mon adversaire s'était pas préparé à une telle ultime en face. Et je serai à sa place, j'aurai le seum. Donc là, moi je vais mettre Porygon-Z, lui il va mettre Shaymin. Qui aussi logiquement en Shiny. Voilà. Donc lui il met un Shaymin. Voilà, Noctali, j'utilise abri. Logiquement, je vais faire un laser glass sur le Shaymin avec mon cher Pokémon. Là il fait Fulmigraine, donc ça va faire quand même pas mal de dégâts quand même. Sur mon Porygon. Bon, sa défense spéciale baisse, c'est pas grave. Mais derrière, un laser glace va faire comprendre à Shaymin qu'il faut pas emmerder mon Porygon. Voilà, tout simplement. Play croix, donc. Voilà, hein, Noctali qui s'est toujours défendu. Hein, en disant que Noctali, des fois, j'aime bien charrier un abonné qui s'appelle Nocta. Bah, il sera content que j'utilise Noctali pour un premier combat. Combat libre. Voilà, je ferai des sections combat. La qualité est pas bonne. On va pas dire qu'elle est dégueulasse, mais elle est pas excellente, excellente. Mais bon, si je vois que ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, franchement. Et ça me ferait plaisir, et je vous en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, je me fais démonter. Tricherie qui va démonter Shaymin, bien sûr, pour le terminer. Parce que Shaymin fait quand même, un peu de dégâts, hein. On va pas se mentir. Voilà, je reçois de nouveau les restes, et on va remettre Tokoriko. Voilà, parce qu'il me reste Tokoriko aussi. Qui va remettre de nouveau le champ Elect, hein. Qui vient de se terminer, mais qui va revenir. Voilà. Et avec le fameux objet de mon Tokoriko lunette choix, mon attaque spéciale va être encore plus puissante. Donc il pourra pas tuer Noctali. Et en plus, Tokoriko derrière attaque en premier, largement avant Cisaiox, et va le terminer avec les lunettes choix qui va le défoncer easy money. Et voilà, j'ai défoncé mon adversaire assez facilement. Et ben en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Et dites-moi ce que vous en pensez sincèrement. Et n'hésitez pas même à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos combat libre sur Pokémon. Ciao ciao Mina.